ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris. « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré ? Point de franche lipée ? Tout à la pointe de l'épée ? Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » ?»« Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. « Qu'est cela ? Lui dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ? Peu de choses. » « Mais encore ? » Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. « Attaché, dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion seigneur du voisinage, firent société, dit-on, autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes quatre à partager la proie. » Puis, en ôtant de part, le cerf, il dépeça. Pris pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, » dit-il. « Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. » À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. La besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait ? Moi, dit-il. Pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit dame baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous,
Bonjour les amis, je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est extrêmement simple, rien de compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous serez redirigé sur la page de votre livre. Il ne vous reste qu'à cliquer sur « Essayer Audible gratuitement » tout en s'assurant que « Gratuit » avec l'offre d'essai Audible est bien coché. « Gratuit », on clique ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Et bien, pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois identifié, vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offert. En sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Et même si vous résiliez l'abonnement après avoir eu votre livre, eh bien, vous gardez toujours accès au livre. Il est à vous, les amis. Alors franchement, quand c'est gratuit, n'hésitez pas, les amis, foncez. Pour les autres, voici comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur « Créer votre compte ». Vous entrez votre nom et prénom. Cliquez « Vérifier l'adresse email ». Alors, vous entrez le code que vous avez reçu par mail. Vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez le code reçu. Créez votre compte Amazon. Ensuite, vous serez redirigé sur la page du mode de paiement. Ici, vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit. Ajoutez votre carte. Vous renseignez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre et bien le montant 0 euros. Vous voyez bien 0 euros. Vous cliquez sur confirmer et après 30 jours, vous aurez débité de 9,95 € chaque mois. Mais nous, on va résilier avant. La confirmation est en cours et par conséquent, c'est en chargement. Votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple, il suffit de se rendre sur la page de audible.fr, d'entrer dans votre navigateur. Vous connectez avec vos identifiants que vous avez créé, que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte. Vous avez compris, Audible, c'est bel et bien une société Amazon. Une fois là, vous allez dans votre bibliothèque. Vous cliquez sur bibliothèque. On voit bien le livre qu'on vient de recevoir. Ici, il y a uniquement ce livre-là, en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi Père riche, Père pauvre dans mon exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez, ou de l'écouter directement ici sur Audible. Maintenant, une fois que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous les amis. Le premier, soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 €, mais vous avez un livre audio offert tous les mois.
La seconde possibilité, vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre audio offert. Si vous choisissez la première option, les amis, vous n'avez absolument rien à faire. L'abonnement se met en place automatiquement. Mais si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement. Et tout de suite, je vous montre comment faire. Vous passez votre sourire sur « Bonjour », votre prénom ici. Ensuite, cliquez sur « Mon compte ». Une fois que vous avez cliqué sur votre compte, vous arrivez sur cette page. Et il vous suffit de cliquer sur « Résilier mon abonnement » ici. Continuer la résiliation. Cliquez là. Afin d'améliorer nos services, pouvez-vous nous donner une raison de votre départ, aucune, mais autre raison. Merci de nous indiquer, mais pas de raison. Résilier l'abonnement. On continue, on clique également, on clique encore sur résilier mon abonnement. Alors vous voyez bien, votre abonnement sera résilié à la fin de votre période de facturation actuelle, c'est-à-dire les 30 premiers jours, juste le 30e jour qui viendra après. Eh bien, vous ne serez plus facturé des 9,95 € qui doivent suivre. On va voir si j'ai toujours accès à mon livre. Alors, je vais dans Bibliothèque. Je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter. J'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Alors voilà les amis, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager massivement la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et on se voit très très bientôt.